Salut les Globetrotters et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les bons plans et différentes astuces qui pourront vous faire gagner un temps précieux dans la préparation de votre futur voyage. Nous partons en Andalousie, communauté autonome composée de 8 provinces dans le sud de l'Espagne. L'Andalousie est une région riche en histoire et monuments car elle appartenait aux musulmans en 700 après Jésus-Christ pendant environ 400 ans. Vous découvrirez une architecture riche dans un mélange arabe et chrétien comme la magnifique cathédrale-mosquée de Cordoue. Les meilleures périodes pour partir en Andalousie sont d'avril à juin pour ses températures agréables et profiter des différents jardins en fleurs et fêtes religieuses. Évitez l'été car il fait trop chaud et l'hiver les températures sont trop basses. Je vais vous faire un programme sur environ une dizaine de jours. Plusieurs possibilités en fonction de vos envies pour aller en Andalousie. La première, vous pouvez conduire de France jusqu'en Andalousie avec un stop à Barcelone ou à Valence pour faire une pause sur le trajet. Avantage, avoir votre véhicule, partager les frais si vous êtes plusieurs, mais beaucoup de routes à prévoir. L'autre possibilité est de prendre un avion à destination de Séville ou Malaga, et puis de faire une boucle en louant une voiture à l'aéroport. Pour ces périodes, vous devriez trouver des vols entre 70 à 150 euros aller-retour depuis Paris. Les locations de voitures commencent à partir de 200 euros dans les agences les plus connues. Vous avez également beaucoup d'agences de location low cost pour des prix très attractifs. Je vous laisserai faire vos propres recherches quant aux conditions de location, assurance et kilométrage. Il peut y avoir parfois des surprises. Attention cependant, dans la majorité des cas, il vous sera demandé une carte de crédit et non de débit pour le prélèvement de la caution. Je tiens à préciser que la majorité des autoroutes en Andalousie sont gratuites. Il sera également possible de faire les trajets par bus ou train car les villes principales sont assez proches et bien desservies. Néanmoins, cela vous demandera plus d'organisation et de temps, mais un coût de revient moins cher si vous voyagez seul. Nous commençons par Séville, qui est la plus grande ville d'Andalousie avec ses 1 500 000 habitants. Comptez 2 à 3 jours en fonction de vos envies pour visiter la ville. Nous commençons par l'incontournable cathédrale de Séville, qui était anciennement une mosquée. Outre son architecture majestueuse, vous trouverez le tombeau de Christophe Colomb à l'intérieur. La Giralda et l'ancien minaret de la mosquée fait office maintenant de clocher et peut être visitable. Du haut de ses 100 mètres, vous aurez une vue imprenable sur Séville. Prenez un ticket combinant les deux visites. L'Alcazar, qui se trouve à 2 pas de la cathédrale, est un magnifique palais royal classé au patrimoine de l'UNESCO, avec son immense jardin. La Plaza de España, construite en 1929 pour l'exposition libéro-américaine, est un magnifique endroit à voir, encore plus pour les fans de Star Wars, car elle fut filmée dans l'épisode 2 et servit de décor pour la planète Naboo. Les archives des Indes, qui se trouvent à côté de la cathédrale, vous pourrez admirer l'architecture intérieure, ainsi qu'en apprendre plus sur l'histoire espagnole. Visite gratuite, mais uniquement en espagnol. Les arènes de Séville, qui chaque année accueillent l'une des ferrailles les plus connues au monde. Attention cependant, la visite est uniquement en anglais ou espagnol. La tour d'or de Séville, située au bord du fleuve, est une tour militaire construite au XIIIe siècle pour renforcer les défenses de la ville. La tour d'or abrite aujourd'hui le musée naval ainsi qu'une vue panoramique. Le métropole Parasol est un monument insolite, était tout récent, 2011. Avec son architecture moderne, le monument vous permet d'avoir une vue à 360 degrés sur la ville de Séville, ce qui est parfait pour un coucher de soleil. N'hésitez pas à vous arrêter dans différents bars, restaurants à tapas et de faire un tour dans les magasins pour la céramique qui est très réputée à Séville. Direction Cordoue, 1h30 en voiture depuis Séville, beaucoup plus petite avec ses 320 000 habitants, mais d'une richesse historique incroyable et son centre-ville classé à l'UNESCO. Commençons par l'incontournable mosquée cathédrale qui se trouve dans le quartier historique de Cordoue. D'abord temple romain, puis devenu une église, pour finalement être transformée en mosquée et retransformée en cathédrale après la reconquête par le roi Ferdinand III de Castille, est un véritable chef-d'œuvre d'architecture. Vous pouvez ensuite aller faire un tour dans le quartier juif qui se trouve juste à côté de la mosquée cathédrale. Il est très agréable de s'y promener pour voir ces maisons typiquement blanches avec leurs patios et fleurs. Vous pourriez également en profiter pour visiter la synagogue qui est gratuite. Il est temps d'aller visiter l'Alcázar de los Reyes, qui est l'ancienne résidence des rois catholiques. Vous pourrez profiter de son magnifique jardin, ainsi que d'une vue sur Cordoue au sommet de ses tours. Le pont romain, enjambant la Guadalquivir, érigé au 1er siècle avant Jésus-Christ. Pour vous détendre et manger ou boire, vous pouvez aller en terrasse à la Plaza de Mayor, qui est très animée et prisée par les locaux. Si vous avez la chance d'être à Cordoue au mois de mai, vous aurez le droit à une fête traditionnelle de chant, danse et musique dans le parc Arenal. Laissez-vous tenter le soir par les délicieux hammams arabes typiques de la ville de Cordoue avec la possibilité d'y intégrer un massage au savon, une expérience très agréable. Côté gastronomie, goûtez au salmolejo, plat typique de Cordoue, considéré comme le cousin du gazpacho.
faites un tour au bar El Poema avec les tapas gratuites si vous commandez une boisson ou le bar Santos pour les meilleures tortillas de la ville. Maintenant, direction Grenade qui se trouve à 2 heures de route de Cordoue. Bienvenue à Grenade, magnifique ville, typique d'Andalousie avec ses maisons blanches et peuplée de 230 000 habitants. Rentrons dans le vif du sujet avec ses incontournables. L'Alhambra est sûrement le site touristique le plus visité d'Espagne. C'est un palais édifié au XIIIe siècle sur les hauteurs de Grenade. Prenez votre temps car il vous faudra au moins 3 heures si vous voulez faire une visite complète de ce magnifique palais. Vous avez 3 sites importants à visiter, les palais Nasrid, le Generalif et l'Alcazaba qui sont 3 parties différentes. Faites attention aux tickets que vous achetez. Les miradors de Grenade, il en existe plusieurs mais le plus réputé est le mirador de San Nicolas qui se trouve dans l'Albaquín. Il offre un point de vue magnifique sur le monument emblématique de la ville mais aussi sur la Sierra Nevada. Dans le même quartier, vous avez également le mirador de San Cristobal. Visiter le quartier de l'Albaicín est l'un des quartiers les plus authentiques et pittoresques de Grenade avec ses maisons aux murs blanchis à la chaux. Ensuite, allez vous promener dans le quartier de Sacromonte, il se situe au nord-est de l'Albaquín, sur la colline de Valparaiso. La Sacromonte est l'ancien quartier gitan de la ville, il est connu pour ses habitations troglodytes, les cuevas, des grottes aménagées dans lesquelles ont lieu les spectacles de flamenco, la danse traditionnelle ancestrale de la population gitane. C'est l'endroit parfait pour aller voir un spectacle de flamenco. La cathédrale de Grenade et sa chapelle royale édifiée au XVIe siècle par les rois catholiques. Attenante à la cathédrale, la chapelle royale qui abrite une crypte avec certaines tombes des rois catholiques, ainsi qu'un musée représentant une collection d'objets d'art. Le jardin de Carmen de los Martires, avec ses différents styles, jardin français, jardin anglais, un labyrinthe et un lac, l'entrée est gratuite. La basilique de San Juan de Dios, d'extérieur assez sobre, c'est l'intérieur qui vaut le détour. Une grande partie des murs, piliers et plafonds sont recouverts d'or avec son immense orgue et son superbe hôtel. Friand de shopping, arrêtez-vous au marché d'Alcaracia, qui est le grand bazar de Grenade. Vous y trouverez céramique et lampes en verre coloré qui sont de parfaits souvenirs à ramener chez soi. Le monastère de la Cartuja, qui se situe à environ 3 km du centre-ville sur une petite colline. Construit à partir du XVIe siècle, il aura fallu 300 ans pour être achevé. Il abritait des moines de l'ordre chartreux, l'un des ordres religieux les plus stricts et les plus anciens de la chrétienté. Le parc des sciences de Grenade est l'un des musées les plus visités d'Andalousie avec un espace de 70 000 m². Vous apprendrez plus sur notre planète ou le corps humain de façon interactive. Il possède également un planétarium, peut-être une activité à privilégier avec des enfants. Dernière étape du voyage, Malaga, qui se trouve à 1h30 de Grenade. Malaga se situe tout proche de la mer, est une ville de 600 000 habitants. Elle est donc la 6e plus grande ville d'Espagne. Allez visiter l'Alcazaba, c'est un splendide palais, forteresse, aux influences architecturales arabes, avec un panorama exceptionnel sur la ville. Vous avez également le musée Picasso, qui est un incontournable, qui a vu naître le peintre dans la ville de Malaga en 1881. Vous aurez de quoi faire avec ses 11 salles et ses 230 œuvres. Vous pouvez aller faire un tour aussi au centre d'art contemporain de Malaga. Le jardin botanique historique La Concepción est l'un des plus beaux jardins d'Espagne et peut-être d'Europe. Avec ses 3 hectares environ, vous y découvrirez plus de 25 000 plantes appartenant à 2000 espèces différentes se mélangeant aux fontaines. Le parc naturel des Montes de Malaga se situe à 5 km de la ville pour les amateurs de randonnée. Les plages de Malaga. La ville compte environ 14 km de plages, certaines sont populaires, d'autres plus isolées et d'autres pleines de charme. Il y en aura pour tous les goûts. Le centre Pompidou de Malaga, inauguré en 2015, vous y trouverez une collection d'œuvres d'artistes renommés. Profitez également des magnifiques couchers de soleil qu'offre cette ville. Les alentours de Malaga offrent diverses activités telles que le Caminito del Rey, qui est une randonnée le long d'une paroi escarpée, ou du canyoning, mais également du rafting ou encore de la Via Ferrata. Voilà, je pense avoir fait le tour des principales activités à faire. Si vous avez le temps, je vous conseille de faire un crochet à Ronda, qui se trouve à 1h20 de route. C'est une magnifique ville de montagne avec un gigantesque pont. Et ensuite, sur la route, vous pourrez visiter les fameux villages blancs. C'est un détour qui vaut vraiment le coup. Vous pourrez également faire un tour à Gibraltar et gravir le Upper Rock pour une vue imprenable, mais aussi voir les seuls singes sauvages d'Europe qui vivent en haut de ce rocher. Vous n'aurez aucun souci de sécurité en Espagne. Au niveau de la conduite et du code de la route, c'est la même chose qu'en France. La vie est très peu chère avec des restaurants et des Airbnb très abordables. Vous n'aurez pas besoin d'adaptateurs pour vos appareils électriques. Il existe de multiples passes vous donnant accès aux sites touristiques les plus importants avec parfois des coupes-fils. Je vous laisserai faire vos propres recherches là-dessus.
et prendre ce qui vous intéresse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire dans les commentaires une destination que vous aimeriez que je traite. A bientôt les Globetrotters.